Hello? À toutes, bonsoir à tous. On est en direct. On est jeudi 10 novembre. Il est 18h03 et on est ensemble pour aborder trois dossiers chauds, les trois dossiers chauds des Girondins de Bordeaux. Et je suis très, très bien accompagné avec Monsieur Charles Merle. Salut, Charles. Et salut, Nico. Merci de m'accueillir pour cette toute nouvelle émission. Regarde, et vous... salut à tout le monde. Eh bien, salut, bienvenue à toi. Content de, de faire l'émission avec toi. Euh, petite émission du jeudi. Ça faisait longtemps le jeudi qu'on n'avait pas fait de direct, donc on relance un petit peu euh, un direct pour changer. Il y a eu la de hier et un direct ce jeudi. Ça me manquait un petit peu moi. Le direct du jeudi, la FAQ, puisque l'actualité chaude va commencer à arriver du côté des Girondins. Vous allez me dire oui, mais il y a la trêve. Et oui, et justement, il y a des questions qui vont se poser avec l'approche du mercato. On est diffusé en direct. Sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, sur webgirondin.com. Je salue les sociaux de cette Web TV, puisque sans vous euh, et sans les abonnés aussi euh, à nos réseaux et à YouTube, on ne serait pas euh, aussi souvent présent avec euh, ces émissions. Merci à vous d'ailleurs. N'hésitez pas à venir euh, nous soutenir. 247 sociaux qui nous soutiennent moralement et financièrement. Et je vais vous mettre le lien dans le chat. D'autant que vous avez des contreparties quand vous nous soutenez, notamment un Discord privé. Moi, j'ai hâte d'échanger avec vous sur le Discord privé. Donc, euh, venez, nous, euh, venez nous retrouver. Il y a Charlie aussi, euh, Gino et, et, et tous les autres. Voilà. Je vous, vais vous poster le, le petit lien pour nous rejoindre. Donc, trois dossiers chauds au Girondins. C'est le thème de cette émission. Franck Sergio, Albert Célis, Josh Maja, pourquoi ce sont des dossiers chauds Je vous le dis tout de suite, c'est assez simple. En fait, euh, il s'agit de leur situation contractuelle, de leur niveau de jeu dans l'équipe, euh, du poids financier qu'ils représentent euh, et de la valeur dans l'effectif. Donc, on va aborder pour chacun des joueurs, avec toi, Charles, leur performance sportive, leur situation contractuelle et leur avenir au Girondin. Est-ce que tu es prêt je suis prêt comme jamais, Nico. Attention, top chez vous Merci. sur votre écran. <rire> <rire> Allez, c'est parti. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. Allez-y, likez, partagez. Euh, je vois que ça se connecte gentiment, gentiment ce soir. Hein. Aruna qui est là sur le chat, je salue. Euh, Jérémy qui est là aussi. Polo, Mycode aussi, euh, qui nous demande si on a passé une bonne journée. Est-ce que tu as passé une bonne journée Oh, je vais passer une journée fidèle à, à toutes les autres en semaine et en week-end. Beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis après, euh, beaucoup de boulot à la maison. Euh, les enfants, tout ça, tout ça, quoi. Comme tout un chacun. Frédéric qui est là, qu'on salue également. Saladine qui est là. Il est en mode Coupe du Monde, lui. Jean-Christophe, voilà, c'est en train d'arriver. Merci, les amis. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le premier joueur. Ça fait partie d'un des dossiers chauds euh, des Girondins. C'est, comme par hasard, vous allez me dire, Franck Sergio. Alors, Franck Sergio, sportivement, depuis qu'il est arrivé à Bordeaux, il est arrivé, donc il a 32 ans, c'est un joueur qui a 32 ans. À date, il a joué 40 matchs avec les Girondins de Bordeaux. Il a marqué un but, il a fait deux passes décisives, il a pris huit cartons jaunes. Son poste, c'est milieu offensif, depuis qu'il est au Girondins, et il a un statut de titulaire. Ça, c'est le côté sportif. On va donner notre avis. Charles le Bilan sportif de Franck Sergio. On commence par le plus facile des joueurs à, <laughs> à évaluer. Qu'est-ce que tu en penses déjà sur le plan sportif Franchement, Nico, euh, je vais pas te cacher que je suis assez embêté en fait euh, mm. de, de, de traiter ça parce que on peut plus, euh, on peut plus parler de ce cas-là euh, sérieusement sans, sans élever un peu la voix en fait et le ton quoi. Tu vois. Ah bon et, euh, depuis euh, depuis quelques temps que tu que, que, que je participe aux émissions je pense jamais euh, enfin, je, toujours faire en sorte de jamais critiquer des euh, joueurs Là, france sergio moi ça me ça, ça, ça me blesse en fait ça me blesse parce que ça fait euh, ça fait un an et demi en fait que c'est un joueur à qui on donne énormément de crédit euh, les Girondins, comme pour nous tous hein, et tout le monde qui regarde je, je pense que c'est la, la même chose que pour moi c'est ça a ressenti un peu comme sa propre famille quoi c'est 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 une passion qui 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 existera jusqu'à notre mort et euh, et euh, quand on accorde sa confiance et qu'on accorde du crédit euh, à à quelqu'un euh, et que et qu'en qu retour on a on a on a rien ou, euh, ou des mensonges en fait euh, ben au bout d'un moment ça commence à blesser sévèrement et, euh, et, et c'est très 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 énervant fran sergio c'est euh, Aller à tout péter, peut-être deux matchs moyens pour, euh, pour 38 matchs ignobles. Euh, à quel moment on peut, on peut considérer que, que, que c'est normal encore de l'avoir dans le 11 tit titulaire et même dans le groupe? C'est, sportivement, c'est anormal puisqu'on se concentre sur le sportif. Euh, Là, c'est le sportif pour l'instant. Pour moi, pour moi, ce, un bon de Sergio, euh, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un, c'est un moyen Sissoko, c'est un moyen Lacou. Euh, L'année dernière, ça a été absolument catastrophique. On a eu du crédit. On s'est dit, tiens, bon, là en Ligue 2, sûrement qu'il va pouvoir devenir enfin ce, 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 ce taulier au milieu, ce meneur. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et, euh, et il a encore un crédit énorme. 40 et, matchs, euh... hein, quand même. Oui, il a un crédit énorme dans le staff. Pour le staff, euh, d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une conférence de presse de David Guillon, la traditionnelle conférence de presse euh, avant match. Qui s'est déroulé ce matin, il y a une question d'un journaliste qui lui a été posée sur Franck Sergio. C'est revenu. Il n'a même pas répondu. Il a dit Bon, je vous ai déjà dit. Euh... Donc, David Guillon n'a pas répondu à la question. Quoi. Il a tourné, euh... il a dévié, il n'a pas répondu à la question sur le niveau de jeu de Franck Sergio. Il a dit J'ai déjà répondu. Euh... Et après, il a parlé de son milieu de terrain, etc. C'est-à-dire qu'on a même senti un malaise parce qu'il était parti un peu sur de la langue de bois pour ne plus répondre aux questions sur Franck Sergio. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Euh... Parce que sportivement, bon, quand tu es milieu offensif, quand tu as fait 40 matchs, quand ton bilan, c'est un but de passe décisive, tu dois être à beaucoup plus un milieu offensif. Il devrait être à plus de passes décisives, même en Ligue 2. Ce n'est pas possible. C'est un échec sur le plan sportif. Je pense qu'on peut le son... dire. Son record à Braga, je crois que c'est 6 ou 7 passes D hein, sur une saison complète. Hein. Pas... Il n'a jamais eu des stats extraordinaires. Mais bon, malgré tout, de, de, voilà, de ce qu'on a pu voir. Puis pour ceux qui ont suivi... Euh... Euh, le championnat portugais à l'époque, euh, c'est ce joueur-là n'a strictement rien à voir avec ce qu'il a pu être avant. Euh, alors c'est normal, enfin hein, c'est ça peut arriver de faire des erreurs de casting de joueurs. Euh, ça peut arriver aussi pour un joueur bah, de ne plus être au niveau d'avoir besoin de beaucoup de temps pour pour arriver à revenir au niveau, à s'intégrer, etc. Mais là, euh, un an et demi, euh, continuer à faire confiance à ce joueur-là, c'est pour, pour moi c'est une hérésie sportive. Et, euh, et c'est euh, mettre, euh, mettre en péril, en fait. Euh, je ne peux pas dire que ça met en péril l'équipe non plus, parce qu'on on, on, s'en sort avec lui. Mais euh, il ne mérite pas d'être dans, dans, dans le 11, et ça fait, ça fait de longs, longs mois que ça dure. Quoi. Une intégration et... qui ne se fait pas. Et sur, et sur la réponse qu'il a faite euh, aujourd'hui, ce matin, David Guillon, concernant Franck Sergio, on lui a parlé individuel il a répondu collectif il a dit oui, mais je ne veux pas fixer sur un joueur. Euh, c'est le collectif qui fait euh, qui fait le jeu de l'équipe voilà et, et moi j'ai envie de répondre à ça c'est aussi les performances individuelles de chaque joueur qui amène euh, à avoir un collectif euh, important et, et quand tu as un collectif qui, qui souffre notamment sur euh, l'animation offensive ce qui est le cas actuellement de notre équipe qui souffre en animation offensive et quand tu as un joueur qui joue milieu offensif et qui est chargé de l'animation justement offensive et qui est pas au niveau ben, on peut dire que, que c'est un échec en tout cas tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un échec sur, depuis le début de saison sur le plan sportif. On est d'accord. Et que quiconque euh, essaie de nous prouver le contraire. Quoi. On regarde maintenant sur le plan contractuel. Alors, sur le plan contractuel, sur sa situation contractuelle. C'est un joueur qui a été acheté 4,5 millions d'euros à Braga. C'est l'indemnité de transfert que Bordeaux a payé au club portugais, qui a signé un contrat jusqu'en 2024. Il a une année en option. Et aujourd'hui, sa valeur actuelle. Alors, je prends les chiffres qui sont sur transfert marque. Il n'y a pas d'autre signe de référence que celui-ci aujourd'hui. Donc, je prends les mêmes chiffres pour tous les joueurs. Alors bien sûr, ça peut y avoir des nuances, on peut en apporter. Mais c'est ces chiffres-là que je prends de base pour les trois joueurs qu'on va voir. Euh, un an en option et une valeur qui se casse la figure, divisée par deux déjà. Donc, on peut même dire que sur le plan financier et contractuel, tu te dis que tu n'as pas fait une bonne affaire. Parce que si tu n'apportes pas sur le terrain, et que financièrement, ils perdent la valeur Si tu veux, moi de... en, en fait, c'est un, un piège. C'est un piège dans les deux sens. C'est-à-dire que, de ce que je vois, en gros, euh, il, peut, il peut avoir jusqu'à jusqu jusqu deux ans et quelques de, de contrat en plus. Euh, si tu le fais pas jouer, sa valeur elle, elle diminue encore plus fortement. Et si tu le fais jouer, ben, tu vois ce que l'on voit chaque week-end à la télé voilà. ou au stade. Donc euh, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Qu'est-ce qu'on fait On arrête de le faire jouer. Et c'est pour ça qu'il fait partie des dossiers chauds du moment. Parce que c'est chaud, parce qu'il n'y a pas de performance sportive. Et financièrement, tu Bordeaux qui a mis le prix, qui a mis un gros billet. C'est le plus gros achat l'année dernière mmh. du club. Pour le recruter. Et sa valeur est en baisse. Parce que de toute façon, à quelques exceptions près, en descendant en Ligue 2, tu ne valorises pas tes joueurs. Il a 32 ans aussi. Exactement. On pouvait s'interroger aussi. C'est vrai qu'on avait émis quelques craintes sur la durée du contrat quand il est venu à Bordeaux. Donc, sur le plan contractuel et le plan financier, pour l'instant, aujourd'hui, euh, tu as l'impression que c'est un investissement financier et sportif que tu ne récupères pas. De par sa clairement. valeur sportive et sa valeur financière. Tu as l'impression que c'est très compliqué aujourd'hui, à moins qu'ils se mettent à sur, surperformer et à être très très bon dans les semaines et les mois à venir, tu ne comprends pas trop comment tu vas pouvoir euh, amortir cet investissement, si on parle d'investissement, parce que là, on parle de, de financier. C'est ça qui est dramatique. C'est <coughs> que, visiblement, donc, ça fait un an et demi qu'on teste. Donc, visiblement, il mmh. n'y a pas de solution sportive, sauf euh, Miracle euh, et le réveil de euh, El Phénoméno Franz Serginho, ce que ce, personne ne peut croire euh, en, en, en l'état actuel. Soit tu fais quoi Tu romps son contrat Tu vas gagner voilà. la fin de son contrat pour qu'il s'en aille et alléger de la masse salariale Qu'est-ce que t'as d'autre que ça en fait Et c'est une catastrophe financièrement pour le club. C'est quoi aujourd'hui son avenir avec Bordeaux On a vu 2024, comment aujourd'hui les dirigeants peuvent faire pour euh, se sortir cette épine du pied C'est un petit peu comme si tu avais une épine dans le pied là. Tu hum. te gêne un petit peu parce que tu peux pas faire évoluer un joueur, peut-être, faire grandir un jeune. Qui pourra t'amener peut-être sans doute plus de performance et aussi euh, te rapporter plus financièrement, puisque euh, on a compris aujourd'hui que la vente de joueurs te permettait de, de financer le train de vie du club. Ouais. Quel avenir pour toi, pour Francer Sergio à Bordeaux? C'est bah, Qu'est-ce qu qu'on peut faire? J'ai répondu en partie là, juste mmh. avant. C'est-à-dire qu'une mmh. des possibilités, c'est aussi tout simplement d'arrêter les frais. Stop. On dit OK, on paye cher, une bonne fois pour, 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 pour toutes, mais on n'en parle plus. <coughs> Le choix qui a été fait depuis un an et demi par le staff et la direction, c'est de forcer et faire en sorte que ce joueur-là joue. Bon, ben, soit on arrête tout, soit si on continue à faire le pari de, 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 de le faire jouer, à ce moment-là, il faut, il faut absolument trouver un, un autre moyen de le faire jouer pour qu'il soit efficace. Parce que force est de constater que, que ce soit en défense à 3 l'année dernière en partie ou, ou, ou aujourd'hui en 4-3-3, ce mec-là n'arrive pas à trouver sa place. Et euh, alors peut-être ne veut pas aussi. Hein. C'est une, une possibilité qu'il faut prendre en compte. Et de ce qu'on voit sur le terrain, je, je pense qu'elle est, elle est loin d'être débile comme hypothèse. Euh, on va pas me raconter que ses que efforts dominent de loin ceux de ses coéquipiers. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc. Soit euh, on essaie de s'adapter tactiquement, et de toute façon, je pense qu'il faut s'adapter tactiquement pour tout un tas d'autres raisons, et auquel cas on essaie de l'intégrer différemment pour qu'au moins il ait une valeur ajoutée, une plus-value au sein de l'équipe. Est-ce que tu crois qu'il y a une autre euh, intégration tactique possible J'ai l'impression que David Guillon a mis en place peut-être la meilleure intégration tactique pour euh, qu'il puisse exprimer ses qualités. Moi, c'est le Alors, sentiment que j'ai. Pour Franck Sergio je ou me... pour l'ensemble de l'équipe Pour Franck Sergio. On parle Franck Sergio là. Ah, oui, oui, oui. D'accord, mais je veux dire, tu, tu bâtis pas un collectif autour d'un joueur, encore moins quand ce joueur-là est Franck Sergio. Je veux dire, là, c'est es, es vraiment tu vois, au ras des pas crête quoi. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est une certitude que que Guillaume va faire évoluer son dispositif quand on voit la la gabgie que c'est depuis euh, depuis euh, depuis des semaines et même des mois euh, au niveau de l'animation euh, offensive et la transition au milieu. Tu es obligé de changer les choses. Et peut-être qu'en changeant les choses, effectivement, tu peux essayer. Je me fais mal en essayant de trouver du crédit à hein, Franck Sergio. Hein. Mais peut-être que en essayant de ch changer un petit peu les choses n'importe quoi mais en basculant sur un système à 4 losanges j'en sais rien peut-être qu'en lui donnant moins de responsabilité défensive et, euh, et en étant un peu plus libre euh, derrière les attaquants peut-être qu'il peut arriver à faire des choses parce que mine de rien il, sur les quelques 3-4 euh, éclairs de normalité en fait qu'il peut avoir durant un match il fait des passes qui sont très bonnes plus que cohérentes Peut-être qu'il y, euh, y a une solution à trouver là-dedans, mais vraiment, euh, là, qui, on part qui... encore une fois du principe que la direction et le staff continuent à appuyer, à appuyer, à appuyer, à appuyer pour qu'ils continuent à, à jouer. Et c'est ce qu'ils font depuis un an et demi, je sais pas pourquoi ils s'arrêtent. Et, si et si tu interroges un supporter des Girondins, 90% des supporters, ils vont te dire que ce joueur, a, ils dans le même avis que, que tu viens d'exprimer et, et qu'on a exprimé depuis le début de, qu'on parle de lui. Donc le, le truc, c'est qu'on est... Qu il y a quasiment l'unanimité contre sa présence sur le terrain. Quoi. Alors après, on fait, fait peut-être une fixette. Moi, je ne pense pas. Hein. Qu'on vienne me, me montrer qu'il a été décisif et, et qu'il apporte à l'équipe. Alors oui, face au Paris FC, il a apporté. Peut-être le meilleur match des Girondins cette saison sur la, la pelouse de Charletti. Mais bon, voilà. Donc l'avenir, moi, je ne vois pas partir. Même si, peut-être en le faisant jouer, ils veulent peut-être euh, éveiller euh, un intérêt pour lui, peut-être pour une... aussi. Une destination exotique, je ne sais pas. Ça pourrait peut-être euh, sortir euh, le joueur des Girondins et, et Bordeaux se libérer euh, d'un poids. Euh... Ouais, mais si par... Désolé de parler si... comme ça du joueur, mais d'un poids. C'est euh, libéré d'un poids. poids. S'il part, euh, si par, à mon avis, je dirais, à part, à part repartir au Brésil, je ne vois pas où est-ce qu'il peut, est qu peut aller. Et ça ne se fera pas avant sa dernière année de contrat, de toute façon. Je ne vois pas Je un club aussi. mettre. 2024. Hein. Après, moi, Franck Sergio, j'ai l'impression qu'il ne serait pas mécontent, même s'il ne jouait pas, de rester à Bordeaux. Après tout, il a un contrat qui dure. Hein. Ce sera loin d'être le premier et le dernier joueur qui, euh, qui tente à conserver euh, une forme de confort avec son contrat ici. Il fait bon vivre ici. Ouais. Donc là, il est suspendu pendant deux matchs. Si vous ne l'avez pas vu, c'est la commission de discipline qui l'a suspendu. Hier, à la suite de son comportement extra-sportif à Bastia, lorsque Inyatenko a marqué, deux matchs, il va falloir, et, et je vois le message de Frédéric Lagorce sur le, sur le chat il va falloir que ses mmh. remplaçants montrent qu'ils qu peuvent s'affirmer aussi lorsque Franck Sergio mmh. est absent. Parce qu'il n'a pas tout à fait tort, Frédéric, quand il dit. Il a entièrement raison. Et Il a même entièrement raison quand il dit il va falloir que quand il n'est pas là, euh, ceux qui le remplacent montrent que c'est mieux. Mmh. Ben c'est le, le débrief qu'on avait fait. Je sais plus contre, je sais plus quel match c'était où on s'était rendu compte effectivement que sans lui, ben en fait, en fait, la GBG est la même. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas non plus qu'un problème de joueur. Et c'est sûrement aussi un problème d'animation tactique euh, et de euh, travail et de profil de joueur aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on est euh, en, en réalité, si on avait des joueurs qui faisaient bien mieux que Franck Sergio et qui étaient sur le banc, qui jouaient pas, mais on serait, on serait, on serait, on serait ulcéré, on serait furieux, furieux, furieux. Et parce que ce que montre France-Sergio est absolument abominable et indigne des Girondins, il faut, faut, faut dire les mots mais malgré tout bon, quand on le remplace on n'a pas, on a pas non, non, non plus un, un upgrade tu vois, de niveau au milieu de terrain, c'est pas vrai mmh. il y a Caroline qui est socio qui s'était exprimée avant l'émission on avait sollicité des questions elle dit France-Sergio veut-il partir Je ne pense pas que va faire l'entraîneur si nous remontons en Ligue 1 avec ce joueur Surtout s'il n'y a pas d'offre pour lui et ouais. Qu'est-ce qu'il va faire ben... <laughs> Il ne le fera pas jouer, à moins qu'on l'impose encore dans le 11. Mais bon. Bah, si C'était le cas un... l'année dernière. Si on a le même staff et la même direction, pourquoi est-ce que les décisions changeraient Et il y a Alain qui dit Elise et franck Sergio sont-ils intransférables si l'on considère la faiblesse de leur prestations depuis le début de la saison Ne risque-t-on pas une rupture de contrat Et non, il n'y aura pas de rupture de contrat. Il euh, y les... en a eu énormément, et une rupture de contrat, il faut savoir que. En général, tu payes au minimum la moitié des mois restants. Dans le football, c'est au minimum la moitié des mois restants qui sont réglés aux joueurs pour qu'ils partent. Ouais, c'est une, oui. une convention. C'est un minimum. Et après, il faut un accord en, entre tous. Voilà pour, euh, pour notre mmh. ami Fran Sergio. C'est vrai qu'on a commencé par un, par un gros morceau, hein, si je puis dire là. On continue. Ça, c'est le dossier chaud. Ben, on n'a pas de solution sur ce dossier chaud. On voit que c'est vraiment euh, une question épineuse pour, euh, pour Bordeaux. Et il y en a un deuxième. Lui aussi est arrivé l'été dernier. C'est Albert Célis, 26 ans, 32 matchs depuis qu'il est arrivé à Bordeaux. 10 buts, une passe décisive, deux cartons jaunes. Il a un poste d'attaquant et lui, son statut, ce n'est pas un statut de titulaire. Il est plus dans un statut de rotation cette saison. Et même la saison dernière, de par ses blessures, de par son niveau. Et, et voilà. Qu'est-ce que tu en penses sur le plan sportif d'Albert Célise Quel bilan tu fais aujourd'hui sur ses prestations depuis qu'il est à Bordeaux 32 matchs, 10 buts, 10 buts, dont 90% de l'année dernière. Euh, énormément de blessures. Et énormément de blessures. C'est ce qui fait qu'il a un statut de, de remplaçant, je pense, je pense aujourd'hui. Euh, malgré tout, cette année est quand même bien, bien, bien différente de l'année dernière. Euh, il a dû se passer des choses probablement cet été. Euh, qui conditionne peut-être son état d'esprit aujourd'hui, ou alors l'accumulation de des blessures, ou peut-être les, les deux aussi. Euh, ce qui est sûr, c'est que ses prestations cette année, sont, sont... ce n'est pas le même, le même joueur en fait, que l'année dernière. Quoi. Euh, là, techniquement, c'est quand même extrêmement faible. Je ne pense pas qu'il soit revenu de ses de, 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 de blessures correctement. Le point qui est plus embêtant, c'est que collectivement, c'est encore plus faible. Alors, qu'il n'est pas les capacités de pouvoir jouer rapidement avec ses coéquipiers, c'est une chose. Il a le droit d'avoir son style de jeu et il va hyper vite. Il est hyper physique. Il dépose à quasiment tout le monde. La problématique, c'est qu'il est incapable de faire une passe. Et pire que ça, on l'a vu sur les derniers matchs, il n'en a pas envie. Il n'en a pas envie. Donc, on se souvient du, de, 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 de la passe qu'il doit faire à Bakoua. C'était contre Nîmes. Hum. Euh, lamentable, quoi. Lamentable, euh, c'est le match avant. Une... Je sais pas Ou si c'est le match une... encore avant. Le match sais avant sais sens, ouais. Bref, et euh... non, non, enfin, son comportement n'est plus ce qu'il était, et moi, c'est ça qui... qui me dérange parce qu'il a tout à fait le droit d'avoir le physique qu'il a et d'être blessé, d'être hors de forme, etc. Ça se voit. Par contre, il n'a pas le droit de pas tout, tout donner, il n'a pas le droit d'avoir la tête à l'envers, et s'il a la tête à l'envers, c'est la responsabilité de Guillaume de ne pas le faire jouer. En fait, c'est clair et c'est simple, quoi. Et c'est comme ça partout. Et oui, mais c'est un international. C'est un joueur euh, sur lequel Bordeaux a misé beaucoup d'argent, et on va le voir. Euh, on va le voir juste après. Moi, j'entends ce que tu dis. On peut dire que son gros point noir, c'est ce sont ses blessures et son manque de constance dans le jeu. On le savait avant qu'il arrive. On l'avait dit euh, sur WebGN1 et on l'a vu. Il s'est blessé assez gravement en, en début d'année. Il il n'est toujours pas revenu à son niveau. Il voulait partir. Moi, je vois sur le chat, il y en a qui disent, mais pour, on a fait une erreur de ne pas le vendre. Mais pour vendre quelque chose, il faut que tu aies un acheteur. Je ne sais pas à quel moment on a fait l'erreur de ne pas le vendre, puisqu'il est devenu contractuellement un joueur des Girondins cet été. Ça a été officialisé au mois de juin. Donc, euh, c'est vrai que l'objectif était de le vendre dans la foulée. Mais si as tu n'as pas d'acheteur, tu ne peux pas le vendre. Donc, mmh. euh, c'est bien joli de dire qu'il aurait fallu, mais faut il faut-il encore qu'il y ait des... Des offres. Quel club cet été se serait positionné sur un joueur qui s'était qui gravement blessé au genou Tu ne peux pas avoir un, un club qui se positionne à ce moment-là. Il faut laisser le temps aux joueurs de revenir pour qu'ils fasse des prestations sportives de qualité, euh, qui soient décisives pour qu'il y ait un intérêt d'autres clubs. Et dans ce cas-là, les autres clubs prendront aussi les, les prestations qu'il a fait euh, les mois précédents euh, sous le, le maillot des Girondins et même sous le maillot de, de Boavista. Et aujourd'hui, moi je suis mitigé sur sa prestation sportive et je le suis d'autant plus depuis que la Ligue 2 est commencée où euh, il n'est il est pas au niveau euh, qu'il qu devait être en Ligue 2. Euh, c'est peut-être physique. On va voir ce week-end face à Nîmes, mais c'est peut-être euh, le fait qu'il n'a pas récupéré euh, toutes ses facultés physiques. Voilà. J'avais sorti une stat, je crois, qu'il manque. Il a manqué 30-40% des matchs. Il faudrait refaire ouais, le calcul, je ne l'ai pas refait, mais. Ça n'a pas beaucoup évolué, donc il manque quasiment un tiers des matchs parce qu'il est blessé. Ouais, ouais, ouais. Euh, après, Elise, malgré tout, c'est quelqu'un qui jouit d'une belle. Enfin, tu vois, de, de par son, entre guillemets, son style de jeu, sa carrure, euh, mmh. sa prestance même. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui, forcément, aura toujours une cote qui sera un petit peu plus haute, peut-être, que ce qu'elle aurait dû être euh, normalement. C'est une star au hein, euh, on, on Endurance. Exactement, ça. bien sûr, c'est pour ça. On surfe aussi un peu là-dessus et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on essaie de le faire jouer, euh, même s'il n'est pas spécialement revenu à 100%, puis il a besoin de jouer parce qu'il y aura trop de matchs de toute façon. Mais euh, à mon avis, voilà, ce n'est pas que pour des raisons sportives aussi, c'est pour la partie euh, d'après qui est une partie financière. Ah, si tu ne le fais pas jouer, tu ne le remets pas au niveau, euh, ça va être compliqué pour toi de, pour toi de le vendre. Quoi. Et je suis sûr qu'il peut revenir à une cote intéressante très, très rapidement. Allez, on regarde quelle est sa situation contractuelle après avoir parlé euh, du sportif. Il est arrivé à, à Bordeaux, c'est ce qui a été dit par la presse, l'équipe, euh, pour une somme de 6 millions d'euros à Boavista. Donc Bordeaux a payé 6 millions d'euros à Boavista. Euh, le contrat, on ne sait pas. transfert market, il n'y a rien. Il aurait signé plusieurs saisons, mais on ne sait pas. Sa valeur actuelle est en baisse, puisque Bordeaux est en Ligue 2 et il ne joue pas, il n'est pas décisif. Et il a perdu de la valeur et... Il est évalué aux, aux alentours de, de 4 millions d'euros. Et d'ailleurs, si on regarde une dernière... Euh, Parution, je crois, de, sur le média France Bleu Gironde, qui indique que finalement, la valeur d'achat serait de 4 millions d'euros. Donc peut-être qu'on nous prépare à, à un départ du joueur avec une valeur moindre que celle qui était espérée euh, au départ. Sur le plan financier, on a vu le plan sportif. Sur le plan financier, là aussi, c'est pas une affaire hein, pour Bordeaux. Ah, on est loin du Trading Project, euh, comme avec et Sergio, c'est sûr, surtout à ces âges-là, même s'il est, est plus jeune. Après, non, enfin, Albert Ellis. Euh, souviens-toi l'année dernière quand, quand il est arrivé après avoir purgé euh, sa première blessure euh, tout le monde était hyper impatient de le voir et globalement même si on il a vu bon. effectivement, ses défauts, on a sur surtout vu ses qualités et, euh, et euh, un match avec ou sans lui ça n'avait rien à voir quoi. ça n'avait strictement rien à voir euh, tu vois aujourd'hui, alors après effectivement c'est peut-être le de l'esbrouf, là, on parle de valeur actuelle 4 millions, bon après ça ne veut, faut être clair aussi ça ne veut strictement rien dire euh, sa valeur actuelle c'est la valeur que mettra un club pour l'acheter ni plus ni moins. Pas... Oui, mais tu as quand même une valeur sur le marché et compte tenu de la crise financière euh, qui règne dans le monde et dans le football en particulier, moi je trouve que c'est une valeur qui est plutôt correcte et, et plutôt juste. Moi je ne vois pas un club mettre plus que ça. Non, même mettre cette somme. Alors je ne sais pas non. dans quel sens tu allais, mais. Ah, non, non, mais moi, c est, c est, je pense que c'est un petit peu surélevé par rapport à, par rapport à ce qu'il démonte depuis le début de la sa saison. Je, veux dire, là, je pensais trois... que tu pensais le contraire, excuse-moi. Non, il a joué trois <laughs> bouts de match. Euh... Non, non, puis, puis il n'y est pas. Je veux dire, ce n'est pas lui qui porte l'équipe quand il est là, absolument pas. Euh, et, enfin, on a déjà fait le débat juste avant. Euh, on voit très bien comment il est cette année. Je ne vois pas un club aller, aller, mettre, aller mettre une bille sur lui. Quoi. Pas aujourd'hui, en tout cas. Mais il a la capacité, contrairement à Franck Sergio, de pouvoir enchaîner les matchs, les prestations et changer littéralement la donne. Lui, il peut le faire. Il, Bordeaux. Il, il nous l'a prouvé oui. déjà, de toute façon. Mmh. Bordeaux et le joueur font tout pour euh, se trouver une porte de sortie et ça cherche sur euh, tous les continents. Voilà, Ce que j'ai dit dans le talk, je le répète, ça cherche tout, sur tous les continents. Voilà, donc. Euh, quel avenir, du coup, à Bordeaux pour Albert Célis euh, C'est quoi là, son avenir avec les Girondins Grande question. Boule de cristal. Euh, comment, tu, bah, comment tu vois l'issue Déjà, je vois le comportement d'Albert Ellis euh, en match, à l'entraînement, avec ses coéquipiers, et ça ne me montre pas quelqu'un euh, qui a envie de se battre pour son collectif. Enfin, J'ai l'impression qu'il a plus envie de se battre pour lui que pour son collectif. Ça ne veut pas, pas dire qu'il fait pas les efforts, etc. Ça veut juste dire que il a quand même l'air d'avoir plus l'air d'être un joueur si tu veux qui voit son avenir euh, ailleurs ou qui voilà, il a pas la tête à Bordeaux. C'est évident, c'est clair, ça se voit. Enfin en tout cas, c'est mon avis. Voilà. Donc je pense qu'il a envie de partir, je pense qu'il a envie de se montrer, je pense que c'est un deal gagnant gagnant, excusez-moi pour le chien. C'est un deal gagnant gagnant euh, avec euh, euh, avec le club, c'est-à-dire que lui euh, va jouer, essayer de performer et partir au plus vite et le club va réussir comme, comme ça à faire à faire un peu d'argent sur lui. Aussi, Donc je pense ouais, que son ouais, ouais. avenir est, est court à Bordeaux, est très court. Ouais. Peut-être pas ce mercato, mais fin de saison. Ouais, moi j'espère que ça sera réglé en janvier. J'ose pas voir cette situation perdurer au-delà du 31 janvier. Ça sera assez invivable pour le joueur et le club. Tiens, il y a Yann Walter qu'on salue, qui est sociaux lui aussi, qui dit Salut, question C'est quand est-ce qu'il partent. » sauf majeur, <laughs> les trois. <laughs> voilà, ça résume un peu la pensée de beaucoup, beaucoup de supporters. Bon, l'avenir à Bordeaux, on le saura bientôt, mais pour ça, il faut qu'il joue et qu'il soit décisif pour que son avenir se décide et se dessine rapidement. Troisième joueur, dossier chaud. Donc là, c'est les deux dossiers chauds, Elis et Franck Sergio. Je remonte juste Elis, ça serait 6 millions d'euros d'investis, Franck Sergio, c'est 4, ça fait déjà 10. On est loin oui. de la bonne affaire, que ce soit autant sur le sportif que sur le financier. Donc oui, c'est des dossiers chauds. Oui, c'est des dossiers euh, sur lesquels Bordeaux doit trouver une issue favorable le plus rapidement possible parce qu'on euh, connaît la, la situation du club. Allez, le troisième joueur, là c'est différent. Là c'est un profil qui est complètement différent. C'est Josh Majat. Ouais. 23 ans. Alors là, il y, y a plus de matchs avec les Girondins. Il est là depuis, long, depuis plus longtemps. 66 matchs avec Bordeaux, 19 buts, 6 passes décisives. Il manque le S à passes décisives. Trois cartons jaunes, poste attaquant, statut titulaire. Sur le plan sportif, comment tu... Tu juges Josh Maja depuis son arrivée à Bordeaux et, et bien sûr cette saison. Bah, C'est deux réponses qui vont être complètement différentes. Depuis son arrivée à Bordeaux, ça a été, ça a été beaucoup d'espoir pour, euh, pour peu durant les premières années, mmh. euh, à cause de blessures, à cause de tout un tas de choses. Euh, malgré tout, il a eu des euh, il a eu des euh, il a eu ses éclairs de génie et cette année, on a parlé déjà lors de plusieurs émissions. Cette année, je disais que c'était le, le joueur qui avait le plus progressé de match en match depuis le début, euh, depuis le début de l'année, tout simplement. Mmh. Voilà. C'est okay. euh, incontestablement le joueur qui, à mon sens, euh, est le plus impliqué dans ses prestations individuelles et collectives. Euh, voilà. C'est clair et net. De toute façon, ça se voit dans ses stats. Il n'a jamais eu ces stats-là euh, jusqu'à présent Cette butte, euh, au Girondin. 3 passes des cette buts, 3 passes d, pas de blessure. Mmh, exactement. 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 Ça veut dire qu'il enchaîne les Les titularisations. Ça veut dire qu'il travaille différemment, qu'il est encadré différemment, qu'il a. Bon, après il, il acquiert en maturité aussi. Il est arrivé à 20 ans. Là il en a 23. Euh... Aujourd'hui c'est. Moi je suis un peu perplexe sur les derniers matchs en fait. Dans le sens où je trouve qu'il n'a plus le même rôle euh, qu'au début de la saison. Au mmh. fur et à mesure de la saison je trouve qu'il s'est amélioré. Pourquoi? Parce qu'il est rentré Bien d'avantage dans le jeu, euh, on l'a beaucoup vu au milieu, on l'a beaucoup vu en déviation, notamment en contre-attaque, euh, où il prenait pas les rôles, euh, le rôle de finisseur. En fait, devant, justement, il, il, il venait en fait faire le boulot que devrait faire un Franck Sergio. Quoi. Et euh, et depuis un certain nombre de matchs il ne le fait plus euh, pour des raisons que j'ignore. Est-ce que c'est, est ce que ce sont des choix tactiques, est-ce que ce Je sont des choix, est-ce que Je pense que c'est c'est les adversaires qui contrôlent, qui contrôlent exactement. plus euh, le joueur. Exactement. Donc voilà, c'est euh, moi j'attends, euh, j'attends de lui une saison euh, complète. Je serai très content et pour lui et pour le club euh, qui continue à performer comme comme il a fait parce qu'il parce que jusqu'à présent il l'a jamais fait. Il faut vraiment qu'il reste. Euh, J'espère comme Aruna que qu va rester euh, ah, ouais. jusqu'à la fin de la saison. Enfin, on va en reparler après, mais. Qui va rester jusqu'à la fin de la saison, que l'on remonte et, euh, et, et qui continue à montrer ses qualités, ses qualités en Ligue 1. C'est tout ce que j'espère et c'est tout ce que j'attends pour lui. Et je suis un petit peu inquiet, juste pour, pour finir cette, cette longue parable, que bah, euh, s'il n'y a pas Madja, je ne sais, euh, sais pas avec qui on va jouer en fait, euh, devant. J'ai voilà. du mal à imaginer autre chose. En fait. C'est ça. Pourquoi il fait partie des dossiers chauds pour Bordeaux à gérer Parce que d'une part, c'est l'attaquant titulaire de l'équipe de Ligue 2 euh, qui performe il est déjà à 7 buts. Et surtout, Josh Maja il est en fin de contrat au mois de juin. Et il y a une prolongation du joueur qui avait été annoncée oui. euh, fin août par l'équipe, une, une prolongation qui devait arriver. Alors on n'est que mi-novembre. Mais cette prolongation avait été annoncée à la suite euh, de l'annonce de sa réduction de salaire. Ce Maja touchait plus de 100 000 euros. 100 000 euros par mois, il aurait divisé par 200 salaires. Et euh, le club lui aurait, euh, et le joueur négocierait une prolongation. Or, aujourd'hui, il n'a pas prolongé encore. Euh, donc ça signifie qu'à partir du mois de janvier, il peut s'engager euh, où il le souhaite pour euh, le début de la saison prochaine. Donc c'est un dossier chaud à régler pour Bordeaux. Euh, D'une part parce qu'il représente, on le voit, hein, contrairement à Ellis et à Gergio, lui, sa valeur, elle a augmenté. Euh, il a été acheté 1,5 million d'euros à Sunderland en 2019. Et aujourd'hui, elle a plus que doublé sa valeur. Donc il est estimé à 4 millions d'euros et je pense que l'estimation est plutôt juste. Euh, concernant le joueur. Donc les Girondins de Bordeaux, sur le plan sportif, on vient d'en parler, on a vu qu'il était très utile. Ils vont devoir euh, soit le retenir, soit aller chercher son remplaçant, s'ils n'arrivent pas à le prolonger. Et, et sur le plan euh, financier, ça représente une valeur importante de plusieurs millions d'euros et un transfert important. Et aujourd'hui, le club, laissait partir Josh Maja euh, sans le prolonger. Ça serait, euh, ça serait incroyable qu'ils partent libre en fin de saison. Si tu veux, j'ose pas imaginer ça. Euh, de la part du joueur, même si aujourd'hui on peut le penser, et de la part du club. Mais il faut savoir aussi, et je terminerai là-dessus, c'est que pour le joueur, il y a une ver un véritable enjeu financier. Euh, c'est que quand ils partent libre et qu'ils signent dans un autre club, euh, les joueurs euh, gagnent beaucoup plus d'argent, puisqu'il n'y a pas de frais de transfert à sortir pour le club qui accueille le joueur. Et donc, euh, généralement, les, il y a ce qu'on appelle des primes à la signature qui sont versées au joueur, et donc euh, l'agent du joueur aussi euh, touche sa partie. Et c'est très intéressant pour les parties. Sachant qu'il a divisé, il a décidé de baisser son contrat. Peut-être que le joueur se dit aussi, finalement, euh, c'est une hypothèse que je fais. Hein, euh, finalement, peut-être que je ne vais pas prolonger et que je vais partir libre en fin de saison, après service rendu, et j'irai dans le club de mon choix après avoir brillé toute la saison et euh, ce que j'ai pas pu, euh, ce que j'ai perdu entre guillemets financièrement en baissant mon salaire en restant à Bordeaux, je le regagnerai plus tard en signant dans un autre club. Voilà. Ça, C'est une hypothèse qu'il ne faut, euh, qu faut pas ignorer. Qu'est-ce que tu en penses euh, de ça sur le plan financier et de ce qu'il représente pour le club? On a vu le sportif, ce qu'il représente, c'est important. Pour, euh, parce qu'après, re remplacer un attaquant, ça coûte cher. Tu dois contacter un si tu part gratuit, si tu n'as même pas d'indemnité de transfert pour le remplacer, je ne sais pas comment on va faire. Remplacer un attaquant, ça coûte cher. Euh, faire une erreur de casting, c'est la double peine. Et, euh, et c'est très, très 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 compliqué à rattraper. Euh, ouais, je suis assez d'accord avec entre guillemets, ton hypothèse fataliste. Euh, dans le sens où c'est quand même un joueur qui a une, qui a une super cote, enfin en tout cas qui joue d'une bonne cote euh, en Angleterre. Euh, en Angleterre, à, sur deux ou trois divisions, euh, il va avoir un salaire euh, supérieur en fait, à ce qu'il peut, euh, qu peut avoir en France. Euh, donc euh, effectivement, c'est une hypothèse qu'il ne faut clairement pas mettre de côté et balayer. Ce serait triste, ce serait une hérésie et financière et sportive si, euh, si le club n'arrivait pas à le convaincre de prolonger. Euh, surtout, compte tenu des discours dont on se rappelle en début d'année, où justement, il était content d'être intégré dans le projet du club, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est pas passé pour que quelques mois après, euh, on, on se retrouve dans cette situation-là où il ne prolonge pas? Je... Alors, c'est pas fait, hein, On verra. Hein, Peut-être que ça négocie, hein, Mais on arrive on le 10 bientôt no... au mois de janvier. Ouais, mais on ça. est le 10 novembre, déjà. Oui, mais après, ça se joue souvent dans les dernières semaines, les derniers jours. Mais, euh, mais ça, ça veut dire aussi voilà, qu'il y, qu y, qu y a des efforts à faire et qu'il y a des tensions de négo qui vont, qui, qui, qui vont arriver et que euh, le fait de s'inscrire dans la durée sur le projet des Girondins, ce n'est pas du tout fait, sinon il, sinon il serait déjà sécurisé. Euh, lui aurait fait l'effort de trouver une, une, une solution à la direction et réciproquement. Bon, bah, ce n'est pas le cas. Euh, après, c'est toujours dé délicat. Hein. On sait qu'on sait qu est dans une situation financière qui est loin d'être évidente. Euh, on sait qu'on va pas tenir euh, bien longtemps si, euh, si on ne remonte pas donc euh, donc il y a aussi des il euh, y, a, y, a, y a aussi de la prudence aussi à mon avis au niveau, euh, au niveau des renouvellements de contrats au niveau des primes éventuelles que vont demander les joueurs etc c'est sûr la, que euh... de la prudence de quel côté du club ou des joueurs non du club d'accord bah, les deux en fait parce que sportivement mais bon sportivement on est dans une place qui est euh, on est sur un, une dynamique qui est très bonne euh, mmh. enfin en tout cas en, en termes de place aujourd'hui donc ce serait je vois pas pourquoi les joueurs seraient euh, entre guillemets inquiets, et ils ont tout intérêt à, à croire en leur chance. Enfin, S'ils ne croient pas en leur chance alors qu'on est euh, deuxième euh, et qu'on a été premier toute la saison, euh, toute la première partie de, ces... de saison, il faut, faut, faut changer de métier. Quoi, je veux dire. Donc, euh, donc, non, je pense qu'ils ont confiance en eux. Euh, donc, à mon avis, ça vient plus aussi de, de la direction, peut-être, j'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers. Et je vais vous montrer le message de Caroline. Hop, il est là. Elle nous dit Bonjour. Si Maja ne prolonge pas, vaut-il pas mieux le vendre au mercato d'hiver plutôt qu'il parte gratuit en juin Non, clairement non. C'est-à-dire que tu préfères qu'il parte gratuit en juin et de le conserver ouais. jusqu'à la fin de saison pour aller atteindre euh, l'objectif de la montée ouais ouais. ouais, ouais, clairement. Parce qu'on va beaucoup plus perdre à ne pas monter euh, qu'à ne pas vendre Maja, en fait. Euh, et sportivement, et financièrement, et pour tout un tas d'autres raisons. Très clairement. Pour, pour moi, la question ne se pose même pas. Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat, là, Runa, Jean-Christophe, Vincent, Johan, euh, Crusader Qu'est-ce que euh, vous pensez de la situation de Maja et par rapport à la question de Caroline Dites-le nous. Est-ce que euh, si il ne prolonge pas, c'est une hypothèse, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le vendre cet hiver plutôt qu'il parte gratuit en juin Sachant que sportivement, il y a Badji et il faudra peut-être le remplacer. Dites-moi ce que vous en pensez sur le chat. Jean-Christophe, qui est d'accord avec toi. Merci Jean-Christophe. Que j'ai raté au repas des sociaux. <laughs> Un attaquant de qualité, ça va être difficile à attirer dans notre club, nous dit Vincent. Ce qui était prévu au mois d'août, c'était et annoncé par l'équipe, c'était une prolongation d'une année. Pour pouvoir le ouais. transférer en fin de saison avec une indemnité de transfert et permettre au club de, de retomber sur, et puis tu vois... sur son investissement. C'est pas c'est pas un joueur qui euh, enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai je sais pas si elle est partagée mais mmh. c'est pas un joueur qui va qui va nous foutre de la merde quoi tu vois c'est pas un joueur qui va dire OK bon ben, je vais signer dans six mois ailleurs OK très bien bon ça va je vais jouer je vais jouer en tong je vais faire mes 24 passes par match comme comme un certain Brésilien au milieu et puis ça bien puis on verra l'année prochaine. Non, je pense qu'il va, va se défoncer. Il va se défoncer. Enfin, se défoncer il va faire ce qu'il sait faire, je pense, et continuer à évoluer parce que je pense qu'il a vraiment un esprit de compétiteur. Euh, C'est même assez évident, euh, surtout en plus quand tu es formé en Angleterre. Enfin, donc, euh, non, non, vraiment, euh, si le choix euh, devait être fait entre, entre le vendre maintenant ou le garder et le perdre gratuit, euh, non, non, tant pis, on le perd gratuit, mais, euh, mais, euh, mais on continue à jouer avec lui, à composer et il va nous rapporter des points encore et encore. Idéal, a ça... la, majorité des points. la situation idéale, ce serait qu'il prolonge d'une année et qu'il reste jusqu'à la fin de saison. Ce serait un très bon ce coup serait... de la part du club Mais oui. Mais oui, de le prolonger d'une année comme c'était prévu et certainement comme cela euh, lui a été proposé et euh, qu'il parte simplement euh, à la fin de la saison euh, sur un transfert, même s'il faudra le remplacer quel que soit le sort des Girondins, Ligue 2 ou Ligue 1. Mais attention si on ne monte pas, donc il faudra vraiment Accrocher cette montée. Bon, ben voilà, on a fait les trois, les trois joueurs, oui. les trois dossiers chauds. Ça fait quand même trois dossiers épineux et ça fait beaucoup de travail pour anne Lopez tout ça. Ça fait beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, J'espère enfin, enfin, enfin et que beaucoup euh, d'enjeux fi financier, et sportif, sportifs hein, c'est énorme. Hein. Bon, le gros enjeu, euh, en pre... enfin, même pas en prenant du recul, je pense qu'il est, il est, il est, il est, il est évident pour tout le monde, euh, c'est qu'il faut, il faut impérativement euh, recruter au milieu. Quoi. On a recruté tout ce qu'il fallait en, en défense, on a sévèrement recruté sur nos côtés, on attaque aussi avec Badji, même si bon, on, attend encore, euh, on attend encore des résultats de, de sa part. Par contre, là, au milieu, au milieu, c'est plus possible. Quoi. Au milieu, ça fait deux barcato qui ne se passe rien. Euh, là, voilà. Il va falloir impérativement qu'on qu recrute. Et ça va, faire, euh, ça va créer du coup euh, de nouvelles compositions au milieu de terrain. Parce que si on recrute un ou deux mecs qui, ont, sont, qui sont censés avoir un niveau de titulaire, on va encore et toujours parler de Franck Sergio s'il est titulaire. Donc. donc voilà, mais euh, pitié, pitié, pitié. Si vous nous écoutez, euh, recrutez au milieu. Quoi. Pitié. La question a été posée à David Guillon en conférence de presse ce matin. Non. Il a dit, euh, concernant le mercato et, et le recrutement au milieu, il a dit, David Guillon, Qu'ils n'avaient pas commencé à discuter sur les effectifs avec la direction, qu'ils mmh. n'avaient pas euh, commencé donc à anticiper le Mercato. Et il euh, y a le point, une question qui a été posée sur Henri cv Et on sait qu'Henri cv il, il a dit oui. qu'il avait, euh, à à ouais. mmh. avait demandé à s'entraîner à Bordeaux. Et David Guillon a dit non, euh, on ne m'a pas proposé en, Henri cv Et d'ailleurs, euh, il n'était pas prévu qu'on recrute un milieu au Mercato. Donc il a dit. Mmh. Qu'au mercato d'été l'année dernière, il n'était pas prévu de recruter un milieu. Je ne sais pas si c'est vrai. Pourquoi nous mentirait-il Il n'a aucune raison de, de nous mentir. Mais ça veut dire que dans le recrutement qui a été fait, alors on, on rappelle quand même les conditions du mercato de l'été dernier où on était limité il n'y avait pas de milieu de terrain qui avait été euh, envisagé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'ailier dans, dans, les, dans les rumeurs, mais pas de milieu de terrain. Donc ça veut dire qu'on a quand même fait peut-être le choix de repartir avec ce milieu de terrain-là. Euh, donc on, en fait, on, si je comprends bien ce que tu es en train de nous expliquer, euh, on est en train de nous faire croire que Henri Cévé, formé à Bordeaux, joué à Bordeaux, bon joueur, vraiment bon joueur, euh, n'est plus sous contrat, euh, ne propose pas euh, ses services à Bordeaux, mais plutôt à Pau. À côté. Il les a proposés à Bordeaux, mais... Euh... Voilà. Et David Guillon a dit, moi, on m'a pas proposé euh, Henri CV. De toute façon, on, on a pas, euh, vous avez vu, on, on ne cherchait pas de milieu de terrain au mercato. Hmm. Moi, c'est surtout le fait... Alors, au-delà de CV, moi, c'est surtout le fait qu'on ne cherche pas de milieu de terrain au mercato. C'est surtout ça qui m'a interpellé. Non, mais c'est hallucinant. C même, c est, c est, je ne comprends pas. Déjà dire qu'on ne prépare pas un mercato euh, à, euh, je pense à que... moins de deux mois. Ouais. Tu, te, attends, tu te souviens quand même des, des, des discours de Gérard Lopez et Admar Lopez euh, à leur arrivée, où ils t'expliquaient que non, 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 t'inquiète pas, euh, nous on anticipe les Mercato sur 6 à 12 mois et là on vient de nous expliquer que euh, quelques mois après, ah non, non, on n'a pas anticipé un Mercato euh, Il n'a pas dit qu'on n'a pas anticipé, il a dit on n'en a pas encore discuté, je pense qu'Admar Lopez euh, a dû chercher c est, c est, Donc, Il souhaitait ouais, peut-être euh, pas en parler en conférence de presse dit, Donc tu en mais... discutes pas avec le coach Tu discutes euh... pas ton recrutement avec le coach le coach voulait pas peut-être pas en parler euh, pendant la presse, mais moi je pense qu'ils ont déjà dû en discuter, même si David oui. dit le contraire. Ah, c pourquoi mentir euh, Ou ne répond pas voilà, peut-être euh, qu'il veut protéger son groupe. Peut-être qu'il veut protéger son groupe et la dynamique, parce que si il, il va recruter mmh. un, un milieu de terrain, putain, as les mecs qui jouent au milieu, ils vont se dire à mince. Ah bonsoir. Bon bon ouais. Ça veut dire que ma place elle est mise en jeu et que finalement je ne vais peut-être pas euh, avoir ma place dans les semaines mmh. qui viennent. Mais derrière, par contre, en défense, on met en concurrence et on l'assume très clairement en conférence de presse. Et les joueurs, pourtant, les jeunes continuent à assurer leur rôle quand ils sont sur le terrain. Alors qu'ils ont fait une début, une début de saison absolument tonitruant. Ils perdent leur place. Pour, pourtant, ils jouent le jeu. Et là, par, par contre, pour le milieu, là, non. La donne est différente. Est pour, pour chaque strat de l'équipe, en fait, on doit avoir une stratégie, euh, une stratégie de, de motivation et d'encadrement des joueurs qui doit être différent c'est pas. Pardon de le dire comme ça, mais c'est pas, pas sérieux en termes de, de, de management quoi. Il y a une je problématique. Pas... Je pense pas qu'on ait toutes les, tous les éléments, mais il y a une problématique ouais. de toute façon sur le milieu de terrain, on le sait. Hein. On en a parlé avec Franck Sergio, il y a une problématique financière, sportive. Ah oui, c'est voilà. purement, purement comme. Et, euh, et encore en une fond. fois, enfin je veux dire. Comme dit de... Johan Savin, c'est de la com. Voilà. C'est de la com. C'est de la com. La bonne idée de Laurier -Chaubé. Ouais, Ouais. ouais. Il C est, est déjà au club. Hein. <laughs> ouais, mais ce serait bien de le faire jouer un peu plus. Ce serait bien de faire jouer à il s'entraîne et il se prépare en plus des entraînements qu'il fait avec l'équipe. Il se prépare avec ouais. un coach individuel. Hein. Il travaille euh, en... Alors, des photos qu'on peut, qu peut voir et il travaille euh, son physique. Donc, avec coach C'est exactement en plus. ce qu'il doit faire. C'est exactement ouais. ce qu'il doit faire. Exactement. Il faut absolument qu'il se, qu se renforce et, euh, et très rapidement, il va. À mon avis, hein, très rapidement, il va, il, va, il va être trop. Comment dire Il va prendre beaucoup plus de place euh, et, et finir par intégrer le 11 avant la fin de l'année. Hein. C'est vraiment un joueur qui, à mon avis, peut, peut le faire. C'est euh, lui et, euh, et de pucer peut-être dans un second temps s'il si, euh, si évolue aussi de son côté. Il y a Stili Minato qui nous dit les statuts des joueurs au milieu sont différents. Euh sont différents des jeunes par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ah, le statut de France c Sergio, oui, est clairement différent. Et il jeunes. y a un vrai statut, et c'est pour ça que c'est problématique entre l'investissement, le rapport investissement et performance sportive et la valeur du joueur qui décline. Tu te dis, mais comment tu vas faire pour t'en sortir Idem pour mmh. euh, Elis et Maja, là c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est un joueur qui prend de la valeur, mais son contrat arrive à terme. Donc, euh, et c'est ouais. vrai que gérer un effectif, c'est un vrai métier. Et on voit toutes les problématiques, mmh. les problématiques individuelles. Et quand tu es directeur sportif, euh, c'est euh, c'est vrai, un vrai métier directeur sportif tu dois anticiper, euh, dialoguer avec le joueur, avec ses agents, avec le coach euh, rassurer le joueur sur sa place dans l'effectif ou anticiper un départ mmh. et si tu anticipes le départ d'un joueur il faut que tu anticipes sans remplacement donc euh, c'est un vrai métier c'est passionnant et, et c'est pour ça que c'est très difficile de, de réussir aussi parce qu'il y a tellement de paramètres à gérer quand tu es à ce poste là que c'est très très compliqué Il faut aussi savoir acheter savoir vendre aussi. Et ce qui a une implication directe sur, sur les finances de ton club. Si tu rates l'un ou l'autre, tu, tu, tu te prives quand même de, de beaucoup de potentiel. Mmh. C'est une catastrophe. Quel âge, Henri Cévé Quel âge Je, je sais 32 pas. 32 ans. Mais le, alors, je vois Frédéric, le problème euh, ouais. Qui dit mmh. c'est son âge, Henri Cévé. Pas la politique du club. Franck Sergio a 32 mmh. ans. Il est arrivé à 31 mmh. ans. C'est euh, vrai que Barbé, on va faire on du trading faire aussi et... avec euh, 29 ans. Euh... Ouais. après c'est vrai je... bon. mais... mais... c'est que la, la stratégie de, de, de recrutement était pas, était pas du tout la même euh, au milieu comme en défense c est, c est... Classe... voilà donc il y a des dossiers chauds ça amène à se poser beaucoup de questions euh... on a fait le tour je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose Charles euh, ouais alors peut un... ça me peut paraître peut-être un peu con mais j'en ai marre en fait d'entendre euh, qu'on appelle les joueurs euh, nos joueurs des Girondins qui portent notre maillot de cœur, euh, les garçons. Non, ce pas des garçons, c'est des bonhommes qui doivent se battre comme des ânes en fait, sur, sur le terrain. Quoi. Arrête, ce n'est pas, 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 pas ton fils. Quoi. Enfin, bref, ça m'agace. Je connais quelqu'un qui m'a fait la même réflexion et qui me l'a fait Ah ouais et, vrai <laughs> Oui. Je non, pas, franchement, mais... je ouais. moi ça me tu fait, dois. Moi, ça ne me choque pas parce que c'est un terme un peu paternaliste d'un entraîneur euh, qui couvre un peu son groupe. Alors c'est vrai que ça a tendance à, à les infantiliser et à les déresponsabiliser en les appelant comme ça. Alors que c'est peut-être ça que tu voulais dire, ça les déresponsabilise en les appelant les garçons bah, plutôt qu'ils oui, appellent mes joueurs oui. qui sont joueurs professionnels, ils sont pas des garçons. Voilà. C'est pour ça que c'est pas c'est pas hyper hyper. Voilà. Mais la mentalité, euh, ouais, c'est intéressant. Des joueurs et bon et j'imagine que chacun est différent, mais on parle quand même. Enfin, faut remettre les choses dans leur contexte. Quoi. On parle quand même de joueurs, de joueurs de foot pro qui jouent en plus à Bordeaux. Euh, on a beau être en Ligue 2, euh, non non, l'ego de, de de ces mecs-là euh, est colossal. Colossal et c'est normal, c'est ça fait partie de leur métier. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est que tu peux pas enfin, je sais pas, j'ai pour moi, tu dois plus travailler à en faire des guerriers euh, plutôt qu'à les protéger euh, et avoir son j'entends ça, la... j'entends cette idée, c'est ma dit, vision et mais je l'entends, c'est une et les mots qui sont choisis des fois veulent dire beaucoup de choses euh, mmh. et j'entends complètement ça et je partage même si je pense que Guillaume s'en rend pas compte parce qu'il est plus dans son rôle de formateur de papa. Euh... Ça mmh. fait un peu papa quand tu dis les garçons. D'ailleurs, il faudrait lui poser la question à David Guillon. Si le terme les garçons, euh, j'aimerais bien lui demander, parce que c'est à lui qu'il faudrait poser cette question. C'est un entraîneur ouais. professionnel, donc il sait ce qu'il fait. Mais je pense que tu as raison, c'est une déformation professionnelle aussi de ces, de, voilà, de, de, de ces 10-15 ans euh, avec, euh, avec des groupes qui sont beaucoup plus jeunes. quoi. Oui, ils ont des, des garçons de 19 ans, lui il non. a 50 ans, euh, Voilà, les garçons, mais c'est vrai que ce sont des joueurs professionnels, il faut le rappeler. Mmh. Ils ont des responsabilités en étant professionnels. Voilà, on peut épiloguer bon, longtemps là-dessus. Hein, mais... Bon voilà, allez. <laughs> voilà, plus, plus, plus en avance. Il y a des plus bonhommes, est... quoi. C'est tout. Plus, plus en avance, plus guerrier, Connecté quoi. en plus. Donc allez-y, likez, partagez. Je voulais pas. Bon ben, bah, écoute, on refait. Il y a pas beaucoup de likes enfin. sur YouTube, là. J'espère que ça vous a plu, ce petit, euh, ce petit, cette petite revue euh, sur trois joueurs avec. Le côté sportif, le côté contractuel et l'avenir. Ça permet euh, de cibler et de, comment dire, de, mettre en, de mettre en avant des caractéristiques sur chaque joueur et euh, des problématiques à régler pour le club. Voilà. Mmh. Merci. Et, le, et la boutique Oui, oui la boutique. J'ai envoyé le lien. Je vous ai mis le lien Attends, pour, euh, pour les sociaux qui ne l'auraient pas vu, on a, qui ne sont pas sur le Discord. On a mis une boutique avec des t-shirts, avec un logo sociaux. Si vous voulez en acheter, il y a des t-shirts, des casquettes, un mug. Euh, des gourdes, etc. Donc, allez-y. Il euh, y a deux t-shirts à prix coûtant. Euh, donc, euh, profitez-en. Il y a des hoodies, etc. Euh, ça nous aide. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. On est à 9 915 tout à l'heure. Donc, ça progresse petit à petit. Merci beaucoup de votre fidélité. Prochaine émission en direct, c'est le débrief à chaud. J'espère du bon résultat que Bordeaux va faire face à Pau. Je voulais faire un avant-match, mais c'est pas sûr que je puisse le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura le débrief à chaud. Euh, à, le match est à 19h, donc c'est à 21h. Soyez nombreux, j'espère qu'on sera ensemble pour, pour débriefer un, un bon résultat de nos marines et blancs avec un beau spectacle et les ultramarines qui préparent un Tifo euh, qui préparent depuis des semaines, des semaines, des semaines. Ils sont des dizaines, peut-être même des centaines, à, à préparer euh, ces animations. Donc allez au stade, il reste des places. Et encouragez l'équipe si vous le pouvez. Merci, Charles. Merci, Merci infiniment Nico. à tous et toutes de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée. On se quitte avec le générique des sociaux. Euh, générique qui a été fait tout à l'heure avec tous les sociaux. Si votre nom n'y est plus, c'est que votre participation euh, <laughs> n'y est plus aussi. <laughs> voilà. Allez, passez une bonne soirée et allez, Bordeaux. Ciao. Allez, ciao, bye bye. Allez, Bordeaux.